Sur Internet, certaines images font comme des boules de poussière. Beaucoup tentent de les faire disparaître sous le tapis du macadam, mais quand on cherche un peu, on finit toujours par buter dessus. Un vélo qui tourne tout seul sur sa pédale. Ou encore cette roue qui s'emballe après la chute. Un deuxième discret changement de vélo capté par le téléphone d'un spectateur avant une victoire dans le Tour des Flandres. Enfin, cette tranche de vie du dernier Tour d'Espagne. À toutes ces images, les intéressés ont donné des explications plausibles. Pourtant, elles continuent d'alimenter la rumeur devenue une légende, celle de moteurs électriques cachés dans les vélos des champions. Pour rencontrer le premier personnage important à avoir parlé publiquement de moteurs dans les vélos, il faut se poser en Italie, au bord de l'Adriatique, entre Bologne et Rimini. Davide Cassani est aujourd'hui manager de l'équipe d'Italie, après 8 Tours de France, 11 Giro et 3 victoires d'étape. Il a aussi été consultant vedette de la RAI. C'est un homme posé et prudent. Pourtant, dès mai 2010, il met les calepieds dans le plat. Pendant le Tour d'Italie 2010, lors d'une émission, on parlait des moteurs cachés dans les vélos. Et certains disaient que ce n'était pas possible d'en installer et de les faire fonctionner. Le lendemain, j'appelle un ami qui me dit « Si tu veux prouver l'existence du moteur, demain je t'amène un vélo et tu pourras dire si ce moteur existe ou non. » Quando si dice un corridore va come una motocicletta, le biciclette truccate esistono e noi oggi abbiamo una prova. L'ho provata, vi posso dire che se io corressi con questa bicicletta potrei vincere delle tappe al Giro d'Italia nonostante io abbia 50 anni. E adesso vi facciamo vedere il meccanismo. Interrupteur alla cocotte de frein e moteur électrique invisible dans le pédalier. Davide Cassani n'en parle pas, mais à ce moment-là, tout le monde se rappelle une image troublante. Deux mois plus tôt. Andiamo avanti. Dans le Tour des Flandres 2010, Fabian Cancellara, au pied du mur de Gramont, a un changement de vitesse à la cocotte de frein qui intrigue. Sans se lever de la selle, il a accéléré. Là, c'est le compte de Cancellara qui oblige Tom Bonan à se mettre en danseuse. Suave et aérien, Cancellara s'envole sur des pentes à 20% et laisse désarticuler le Belge Tom Bonan, pourtant double vainqueur des Flandres. Une semaine plus tard, après plusieurs changements de vélo sans stress, le Suisse remet ça pour remporter Paris-Roubaix. Il change encore de vélo, hein. Il nous a dit « Ah, j'avais un petit problème mécanique, finalement, j'ai changé, j'ai repris. » Moi, j'y crois pas une seconde. Puis, son démarrage à 50 à l'heure fait passer les autres pour des cadets. Fabian Cancellara n'ira toujours avec force une quelconque aide mécanique. Mais ces deux victoires coup sur coup sont à l'origine de la rumeur, de tous ces bruits de moteur dans le peloton. Depuis le vélo de Davide Cassani, la technologie a changé de braquet. Il faut pousser la porte d'une boutique de cycles à Empoli, en Toscane, chez l'orfèvre du moteur caché, mais légal. Alors voilà le moteur. Ici, dans le tube de sel, la partie électrique. Et en dessous, voilà le moteur. Et voilà la plus belle. Alessandro produit chaque semaine pour cyclotouristes aisés deux exemplaires de cette machine tout carbone à 10 000 euros et surtout 150 watts de puissance fantôme. Aucun fil ne dépasse, moteur batterie planqué, même le contacteur a disparu. Sous la guidoline. À quelques kilomètres de là, Vinci. Village célèbre pour avoir vu naître Leonardo et pour les cyclistes à cause de sa fameuse côte à 10%. Notre testeur Adriano, 68 ans, avale la bosse sans broncher. Les 150 watts du moteur font leur office. Bon, mais là, le moteur est toujours une légende. Comment prouver ce dopage mécanique? Impossible à l'œil nu, sauf si, comme on dit, nous revoyons l'image sous un autre angle. Ah ben là, oui, évidemment. Dans le capteur d'une caméra thermique, le mystère devient lumineux. En action,
la batterie et le moteur au-dessus du pédalier dégagent de la chaleur. En imagerie infrarouge, cette partie du cadre apparaît incandescente. Notre premier test fonctionne. Pour fêter ça, Alessandro nous montre même son truc pour épater les filles. Et hop, sans les pieds, le vélo pédale tout seul. Bon, faut vous dire, l'expression « le vélo pédale tout seul » n'est pas de nous. Attaque de Froome ! Attaque de Froome ! Souvenez-vous, été 2015. Et là, on a tout simplement l'impression que Christopher Froome, son vélo, pédale tout seul, qu'il avance. C'est fantastique, c'est beau à voir évidemment, mais nous nous trouvons dans une pente à plus de 12%, donc bien sûr que ça interpelle. Tour de France, 10e étape, la Pierre Saint-Martin, sur la Moto 1, notre consultant Cédric Vasseur n'en croit pas ses yeux. Il n'arrive toujours pas à comprendre comment Christopher Froome peut faire pour tourner à 110 tours minute dans un col comme celui-là. Pour justifier les exploits de son champion, l'équipe Sky fournira des données physiologiques de Chris Froome. Des chiffres que seul Sky maîtrise, mais cohérents. Ainsi s'éteindra l'incendie que ses jambes de feu avaient allumé. Pendant ce temps, dans la coulisse du Tour 2015, les performances de quelques-uns font grincer les pignons et les dents du peloton. Témoin, Jean-Pierre Verdi. Les managers sont venus me voir avant le départ, et même des coureurs. Quand je leur demandais s'ils avaient des informations sur des gens qui se dopaient, ils me disaient « le problème qu'il y a actuellement, ce sont les moteurs ». Il est aujourd'hui retraité, mais l'été dernier, Jean-Pierre Verdi était encore directeur des contrôles à l'AFLD, l'agence française antidopage. Et il lui est rarement arrivé dans sa carrière de collecter autant de témoignages sur une même rumeur. Il en parle publiquement pour la première fois. Ils en avaient marre, ils étaient écœurés, ils avaient des suspicions sur certains coureurs et certaines équipes, ou certains coureurs de certaines équipes. Des top coureurs, des top équipes ou des équipes lambda, moyennes ? Non, des coureurs de haut niveau, quoi. De très haut niveau. De très haut niveau. Mais on peut pas donner de nom. Bien sûr que non. Toujours, on est dans le même système. Et tant qu'on n'a pas de preuves, on peut pas accuser. Alors, caméra thermique en bandoulière, partons pour un test grandeur nature. Toujours en Toscane, autour de Sienne, sur la Strade Bianche. Une course internationale prisée par des vedettes comme Peter Sagan ou Fabian Cancellara pour préparer la saison. Particularité ? Le parcours emprunte des chemins blancs parsemés de terribles côtes, celles où s'entraînaient Fausto Coppi et Gino Bartali. Notre but n'est pas de désigner des tricheurs, mais de prouver qu'avec une simple caméra thermique à moins de 100 euros par jour, on peut détecter des sources de chaleur anormales et au besoin déclencher des contrôles, une technologie écartée par l'UCI. Nous nous postons dans des pentes à plus de 10%, mais depuis le cas de la jeune Belge, on dit que la peur aurait fait ranger les moteurs. C'est ce que confirment les premières images. Pas de rougeur suspecte dans les cadres ou les pédaliers. Jusqu'à un couple de coureurs. Et un détail qui va attirer notre attention. Ici, le moyeu arrière, les bases de fourche sont plus chauds que le reste. Nous montrons l'image à un expert, ingénieur en imagerie thermique. Effectivement, je m'aperçois qu'ici, on est plus chaud que sur ce vélo. Au même endroit. Au même endroit. À la même température atmosphérique. À la même vitesse. Et à la même vitesse. Là, on le voit bien, hein. On a toujours ici, là, ici, donc c'est chaud. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder là, puisque tout à l'heure, je pensais qu'on avait de la réflexion, mais on garde toujours ce point chaud à cet endroit. Donc là, je pense qu'une levée de doute physique... Une inspection de matériel ? Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Si on démontait, on ne trouverait peut-être rien ou peut-être ce système. Un petit moteur serti dans le moyeu de la roue arrière et alimenté par des batteries lithium-ion. Une des installations dont on suspecte l'utilisation. 3, 2, 1, poursuivons. Le Grand Fondo de Cecina, à 100 km au sud-ouest de Florence. Un type de course qui mélange 2000 amateurs et une centaine de semi-pros. Dans un groupe de coureurs qui poursuit la tête de course, un pédalier attire notre attention. Le centre du pédalier orange apparaît plus chaud que le reste et surtout plus chaud que les pédaliers des autres coureurs qui, eux, restent bleus ou mauves. Ici, c'est quand même assez localisé, c'est même très localisé. Ici, je vois ma variation de température. Ici, je suis un petit peu plus dans des couleurs basses et ici, chaude. C'est quand même assez localisé. Donc, moi, je peux estimer qu'effectivement, on a un point chaud.
Alors, nous montrons le résultat de notre collecte au patron du cyclisme mondial. Juste avec une simple caméra thermique. Peut-être qu'il y a une explication toute simple. C'est peut-être des frictions. Je ne sais pas. On ne peut pas dire « il y a un moteur dans ce vélo ». Mais on peut avoir une suspicion et contrôler après la course. Absolument. Il a fini quatrième. Mais à la fin, il n'y avait plus de lumière dans le pédalier. Intéressant. Depuis son élection, les moteurs ne cessent de bourdonner aux oreilles du président de l'Union cycliste internationale. Pourtant, c'est Brian Cookson qui a rendu ce système officiellement illégal en 2014, juste après son arrivée. Car incroyable, mais jusque-là, malgré le contexte, personne n'avait jugé utile de préciser cela dans le règlement. La propulsion de la bicyclette est assurée uniquement par les jambes, sans assistance électrique ou autre. Bon, mais depuis 2014, l'UCI se donnait-elle vraiment les moyens de trouver d'éventuels tricheurs ? Certains en doutent. On avait alerté l'UCI et on avait demandé des contrôles et les contrôles s'étaient cantonnés uniquement dans le contrôle du poids de chaque vélo. Donc ils n'ont jamais voulu vérifier la roue arrière et le pédalier, ils se contentaient de peser les vélos. Sur le Tour d'Italie 2015, la suspicion était même étalée au grand jour par Super Mario Cipollini lui-même. Ciclista, mi vedo che ogni volta che c'è un arrivo in salita, un arrivo importante, lui si ferma e cambia la bicicletta. Ce voltigeur de vélo au pied d'école, c'est Alberto Contador. Jusqu'à la 18e étape. En bas de la montée de Verbania, on signale qu'il a échangé sa roue arrière avec son coéquipier Basso. Puis il se détache du peloton, termine deuxième de l'étape, conforte son maillot rose et va remporter le Giro. Quand les commissaires annoncent un contrôle inopiné des vélos par scanner. Ce contrôle, le voici, filmé par notre confrère Marco Bonarigo. En attendant le contrôle, on remarque le mécanicien de Contador très attentif à la roue arrière et à son bracelet-montre. Et oui, c'est dingue, on voit rarement quelqu'un autant tripoter sa montre et jamais regarder l'heure. Bon, peu importe. L'UCI n'est pas sur le même fuseau horaire. Sous la tente, en caméra cachée, surprise, une table de camping mais pas de scanner. On fait démonter le pédalier mais pas la roue arrière. Contrôle infructueux, le maillot rose est blanchi de toute suspicion. Bonjour à tous, il est 13h, bienvenue. Une première, un petit moteur dissimulé dans un cyclocross lors d'une compétition internationale. Mais la situation devenait intenable pour l'UCI. En janvier dernier, elle lance un système de détection inauguré malgré elle par la Belge Femke van den Driessch. Et ne dites pas à Brian Cookson qu'attraper un petit poisson arrange bien les gros. Est-ce qu'on pensait qu'on allait trouver une jeune fille de moins de 23 ans en train de tricher de cette façon ? Non, évidemment. Est-ce qu'on a couvert cela ? Non, évidemment. Est-ce qu'on a lancé ces contrôles dans l'espoir de n'attraper personne dans le peloton ? Évidemment non. On ne couvrira rien ni personne. On ne fera rien de caché. S'il y a des tricheurs, on les attrapera et on engagera des actions contre eux. Bon, résumons. Nous avons des images thermiques. L'UCI a un moteur mais refuse de nous le montrer. Elle affirme d'ailleurs l'avoir découvert par ce moyen, dont voici les premières images au départ du dernier Paris-Roubaix. Une tablette, une application, un émetteur qui envoie des ondes pour détecter des aimants de moteur ou de roues magnétiques. À condition d'être très près. Un système donc qui fonctionne avant et après, mais sûrement pas pendant la course, contrairement à notre bonne vieille caméra thermique. Pour l'instant, l'UCI contrôle seulement une partie des vélos. Elle reste très discrète sur cette technologie car elle est encore en développement. Oui, ça va, Stefano ? Bon, on commençait sérieusement à désespérer de le voir, ce fameux moteur. Quand, après plusieurs semaines, un intermédiaire nous a arrangé un rendez-vous. À Budapest, un dimanche matin. On entre par l'arrière d'une boutique de cycles. Allô, Stefano ? Ça va ? Il nous attend, avec des réponses et des indices à nos questions. Mais d'abord, la preuve que c'est le bon interlocuteur. Le mini-moteur, le voilà. Ah, c'est ce que l'on chasse ? Oui, c'est tout petit comme ça. Et voici celui dont tout le peloton parle depuis des années comme l'homme des moteurs cachés. Stefano Vargas,
ancien coureur mais surtout ingénieur et inventeur de génie. Avec les moteurs électriques, il a trouvé une application à ses deux passions, le vélo et la physique. Au début, j'ai inventé ça pour aider. Parce que je vivais près de la frontière yougoslave et après la guerre, il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu leurs jambes. J'avais donc beaucoup de clients qui n'avaient qu'une seule jambe. Et ils voulaient faire du vélo quand même. Cela représentait une grosse demande. Alors ce n'était pas conçu dans l'idée de tricher. Si quelqu'un invente le couteau, vous pouvez couper le pain avec, ou tuer quelqu'un, ça dépend qui l'utilise. Alors ce n'est pas de ma faute. L'engin, 2 cm de diamètre, 5 cm de long, une batterie lithium polymère dérivée des technologies militaires, c'est léger, discret et surtout hyper puissant. Pour ce moteur, on a combien de puissance? 40, 50 watts? Non. 250, tu peux arriver à 250. Installé dans le pédalier, c'est tellement puissant. Essaye d'arrêter. Qu'on n'arrive pas à l'arrêter, comme le progrès d'ailleurs. It's dangerous. So on peut mettre dans le pédalier ou dans la roue arrière. Yes, but la roue arrière is feeble. La roue arrière, ça donne seulement 30-40 watts. It's you take only like 30-40 watts. Oui, mais c'est assez pour certains. Avec deux roues, tu peux approcher 60 à 80. Mais le moteur s'est déjà dépassé. Pour nous, Stefano lève le voile sur une autre folle rumeur. Qu'est-ce que c'est, Stefano? Ça, c'est la roue, une simple roue. Normalement, cela ressemble à cela. Là, on ne voit rien. Mais si tu la tournes, ici, on installe tout l'appareillage électromagnétique. Et ça donne de 60 à 200 watts, oui. 60 à 200 ? La fameuse roue électromagnétique. Batterie dans le tube de sel ou ailleurs. Électro-aimant dans la fourche. Des manettes alimentées par la petite batterie cachée dans la jante. Quand on actionne le système, l'électrode crée un champ magnétique qui attire les aimants et actionne la roue. Invisible ? Officiellement, c'est un prototype, mais il a un prix. De 50 à 200 000 euros, on ne sait jamais si quelqu'un voulait le tester. Ça ne peut pas être utilisé par des amateurs. Non, je ne sais pas. 50 ou 200 000 euros, personne ne va faire du vélo avec une roue à 50 à 200 000 euros. Si ça ne servait à rien, je ne l'aurais pas inventé. If not should be, I not create. Bien sûr. Et c'est piloté par le cardio du coureur. Oui, ou par télécommande, ou à distance. Par un téléphone ou une montre? Yes. Par une Breitling? For example, Breitling, yes. Oui. Par une Breitling? La B55, elle est très à la mode dans le peloton. Oui, elle a une antenne et on peut faire absolument ce qu'on veut. Stefano confirme encore une autre rumeur du peloton. Chez certains, les montres ne servent donc pas qu'à donner l'heure. Bon, on n'allait quand même pas se quitter sans prendre une dernière petite tournée de thermique pour la route. Le point orange dans le pédalier ne convainc pas Stefano. C'est seulement les roulements. Parce que quand on force parfois, ça génère des frottements et de la chaleur à chaque tour. En revanche, notre roue arrière l'intéresse plus. Étrange. Oui, étrange. Dans la roue arrière, il peut y en avoir. Enfin, il y a une image fugace, un plan de moins de 2 secondes que nous avons repéré tardivement au milieu de 3 heures de rush. Difficile de voir à vitesse normale, mais au ralenti, alors là. Ça peut être un moteur celui-là. C'est chaud, ça a l'air chaud. Ça ressemble à quelque chose que vous connaissez, ça vous rappelle quelque chose? Oui, comme vous l'avez vu. Reconnaître un moteur dans une roue. Là, nous pensons que dans ce domaine, Stefano a largement prouvé qu'on peut lui faire confiance.